going to offer very brief reflections on the scripture reading of the 27th Sunday in Ordinary Time. We will offer them first in English, second in French, and third in Creole. Each one of these presentations will be very, very brief. Readings of the 27th Sunday in Ordinary Time. The topics of divorce and marriage are raised in today's scripture readings. Some hard-hearted Pharisees wanted to trap Jesus and make him speak against Moses, who allowed divorce to take place. Is it allowed to divorce one's wife? They ask him. In his answer, Jesus refers to the book of Genesis and stresses the following. Number one, God in the beginning made us in his image and likeness and made us male and female. Indeed, therefore, there is a mystery of complementarity. The man shall leave his father and mother and cling to his wife, and the two shall be one flesh. Therefore, from this first statement, we may understand that the relationship of the two sexes is meant above all to be a relationship of perfect love and unity. Second, Jesus said, men therefore ought not separate what God has joined. Third, St. Paul will also teach that Jesus loved the church as a husband loves his wife. The mutual love of husband and wife is designed to mirror Jesus' love for the church. So we are challenged by this teaching. In every age, including our own, people tend to desecrate sexual pleasure and reduce it to a game. Its role and meaning are blatantly denied. Children conceived from casual sexual contacts are frequently thrown away, and the value of family life is trampled underfoot. Huge social problems result from this decadent, narrow-minded vision of sexuality that excludes true love and commitment. May we realize that we have been created by a God of love and made for love. When love is flushed out of human relationship, the world becomes a jungle. Jesus calls us to highly honor marriage and lifelong commitment. Love is our first vocation, and the kingdom down of family is a terrible curse to human life. So be faithful to your marriage. May God bless you. Lecture du 27e dimanche ordinaire de l'année. Après cette brève présentation en français, nous aurons également une présentation en créole. Des pharisiens au cœur méchant posent à Jésus une question brûlante. N'a-t-on pas le droit de congédier sa femme? Demande-t-il. Ils connaissaient la position de Jésus, mais voulaient l'amener à contredire Moïse publiquement, car ce dernier acceptait le droit au divorce. Jésus, dans sa réponse, souligne le point suivant. Dieu, qui est amour, nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il nous a aussi fait homme et femme, établissant ainsi une complémentarité entre les deux sexes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le divorce apparaît ainsi comme un outrage à la vision primitive du Créateur. Saint Paul, dans ses épîtres, décrit le couple comme un miroir des relations du Christ et de l'Église. Le Christ aime l'Église comme un mari aime sa femme. Le mariage est donc un grand mystère, et quand sa valeur est méconnue, le désordre s'installe dans la société. Frères et sœurs, honorez votre mariage. C'est
très important quand un enfant grandit, qu'il ait sous les yeux l'exemple des rapports d'un homme et d'une femme, et qu'il apprenne ainsi comment, et dans l'avenir, et lui-même créer une famille. Comme chrétien, notre première vocation est celle d'aimer, et le mariage est le lieu par excellence où se vit l'amour fécond, où s'épanouit la personne humaine. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Xemoyo, on passe un petit moment ensemble pour réfléchir sous la Bible, l'Église proclamée le jeudi dimanche, qui est 27e dimanche, le temps ordinaire. Là-dedans, ouais, des pharisiens qui prochaient beaucoup de Jésus, qui dit pas vrai, n'est que bien loin, mettez madame, yo dehors, n'importe qui, là. Ils fait exprès poser Jésus question, parce que Moïse te permet pour juif, yo divorcé. Et ils voulaient que Jésus paraît comme s'il campait pas d'accord avec Moïse. Mais Jésus même citait la Bible, il dit, au commencement, bon Dieu t'a fait moun, portrait à clé, semblé à clé, il t'a fait moun, garçon, ak fi. Et il t'a dit, garçon va quitter papa, la maman, l'arrêter avec madame, li. Et tous deux, il a fait un seul corps. Moun, pas gen doit séparer, sa bon Dieu lui-même mettait ensemble son enseignement formidable. On dit, oui, mais il y a des fois un nègre pas bon, il y a des fois une fille pas bon. Ou en tendance pour me faire relations sexuelles, tourner en jouette pour bêtiser. Et les timoun fait, allez qu'il est, timoun n'a pas de chance pour le grandir, la mitan papa comme maman, papa en bord, maman en l'autre bord. Il y a des fois, ou par contre, ça vous fait activer là, et petit là, il y a une personnalité et tout, il grandit dans l'insécurité, il vit difficile, parce que li pa jwenn encadrement moun besoin pour yo grandir, pour yo vinn moun de bien. Frère Xemoyo, apprendre respecter mariage. Et Jésus servit avec mariage pour dire tout que c'est un coup yon glace rapport bon Dieu. Jésus remet l'église tant que yon monsieur marié remet madame li. Et monsieur marié doit parler pour mourir même la défense, madame Lee. Et c'est comme ça que Jésus mourit pour sauver l'Église. Et c'est là, mi-temps, encadrement ça, livré pour tout le monde grandit, pour tout le monde de bien. On dit, bon Dieu, merci pour leçon ça. Et le monde bêtisé avec mariage, il a passé parole, Jésus la bêtise. Et il y a des fois, ouais, on société en désordre. C'est précisément parce que la société, ça, pas des familles sérieux. C'est familles sérieux qui permettent que nous venions une société, côté gain justice, gain droit, gain remède, gain respect. C'est pour bon Dieu bénir et des fidélité, non, à mariage, non.